C'est à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les meilleures arrières selon votre budget. Merci beaucoup pour les premiers retours que j'ai eus au niveau de ma vidéo sur les bunners. Ça m'a fait grandement plaisir. Maintenant, on se retrouve pour les arrières selon votre budget. Toujours le même système, moins de 25 000 pour les premiers arrières que je vais vous proposer. Après, entre 25 000 et 100 000 pour les deuxièmes arrières que je vais vous proposer. Et pour les troisièmes, plus de 100 000. J'essaie un peu de rééquilibrer tout ça, c'est-à-dire que les premiers arrières sont un peu moins chers et les derniers arrières sont aussi un peu moins chers pour qu'ils soient plus abordables, même si vous avez plus de 100 000 à dépenser. Du coup, voilà. Et en plus, dans cette cuvée, en fait, est assez complète. C'est-à-dire que vous avez des arrières selon votre style de jeu et beaucoup d'arrières qui sont proposés pour pas très cher, suivant leur performance. En fait, moi, je trouve que c'est vraiment assez rentable. L'arrière, c'est assez simple de vous choisir des bonnes cartes, en fait. Et du coup, voilà, je vous proposais toujours 9 cartes. J'espère que ça va vous plaire. La première carte que je vais vous proposer, c'est Donovan Mitchell, donc le moment jazz. Donc c'est une carte moment qui est sortie quand on a fait une performance. Du coup, c'est une très bonne carte, 95 diamants. Donovan Mitchell, je kiffe. Franchement, s'il y avait une carte Pink Diamond, il serait directement dans mon équipe. J'ai adoré retester avec lui. Franchement, il a du 3 points. Son dribble est absolument insane. Je kiffe son dribble, soit son cross, son step back, son dribble de step back. Franchement, très très fort. Tire à 3 points. Il y a du dunk, il y a du mi-distance. Il y a des badges qui vont avec. 34 badges or, 8 badges Hall of Fame. Donc pour 8000. MT, je trouve que c'est très très rentable de le prendre si vous avez que ça à dépenser. C'est un des meilleurs arrières et aussi meneurs que je vous proposais pour 8000, et en tout cas pour les moins de 25000, je trouve que c'est vraiment très 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 bon. Donc voilà, si vous avez pas moyen de prendre plus Donovan Mitchell, c'est très 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 bon en tout cas. La deuxième carte que je vous propose, c'est Victor Oladipo de la collection Frostbite. Donc Victor Oladipo aussi, très bonne carte, 14 000 proposées sur PS4. Il a des stats assez similaires à Donovan Mitchell, mais ses animations, en tout cas moi je préfère moins ses animations à Donovan Mitchell, mais en tout cas il défend mieux. Donc si vous avez préféré un peu plus de défense sur Victor Oladipo et peut-être mieux que Donovan Mitchell, si vous préférez ses animations aussi également, après c'est mon avis personnel sur l'animation, les animations c'est assez personnel, mais en tout cas... moi je préfère les animations de Donovan Mitchell, mais après au niveau défensivement, Oladipo est meilleur, il a quelques badges défensifs qui sont aussi meilleurs. Donc si vous voulez quelqu'un qui soit un peu plus défensif que Donovan Mitchell, attention, Donovan Mitchell défend bien, mais c'est pas non plus un élite. Oladipo s'en rapproche plus, sans l'être également, mais s'en rapproche un peu plus, notamment au niveau des notes. La troisième carte que je vous propose, c'est Avery Bradley, la collection Buzzer Beater, donc 97 Pink Diamond. Donc c'est une très très bonne carte, c'est le meilleur 3ND que je peux vous proposer à ce prix là, 22 000 MT sur PS4. Donc un 3ND, pour ceux qui ne savent pas, c'est quelqu'un qui est très bon défensivement mais qui est aussi très bon au shoot à 3 points. Du coup voilà, c'est quelqu'un qui est, c'est un très bon 3ND. Donc voilà, donc c'est pas quelqu'un qui a de gros dribbles, mais si vous avez besoin d'un shooter dans votre équipe et quelqu'un qui défend bien aussi les meneurs adverses, les arrières et aussi on est lié si vous avez besoin, donc vous pouvez switch lors des écrans et tout ça. Avery Bradley est vraiment une très très bonne option, parce qu'il a des bons badges défensifs, il a des bons badges de shoot, il a 26 badges Hall of Fame, avec 16 badges or, il a des très bonnes hot zones, à 3 points notamment, et des très bonnes stats, donc on note par exemple 93 en shoot à 3 points, et voilà, il est assez rapide, il peut aller finir au cercle si besoin, mais c'est pas vraiment son utilité si vous le prenez, je pense, c'est plutôt au niveau du shoot et au niveau de la défense. Mais en tout cas, si vous cherchez un 3ND pas trop cher, en tout cas c'est le meilleur que je peux vous proposer à ce prix-là. On passe au deuxième pack, entre 25 000 et 100 000 MT, donc je vais vous proposer aussi 3 meneurs. Donc le premier meneur que je vous propose, c'est DeMar DeRozan, la version New Year Resolutions, donc c'est aussi un 95 diamant. C'est aussi une très très bonne carte qui vous est proposée à 50 000 MT. Donc là, j'ai calculé le prix parce que c'est une évolution avec la version 96 en Peak Diamond. Donc c'est celle-ci qu'il faut que vous récupérez parce qu'en fait, il a du shoot à 3 points et des badges à 3 points qui sont ajoutés par rapport à sa version de base. Donc là, c'est une match 95, mais en vrai, il est 96 Peak Diamond. Donc à 50 000, normalement, vous pouvez récupérer sur PS4. La version Pink Diamond, donc évoluée, qui a beaucoup plus de shoot à 3 points, on parle de plus de 90 pour DeMar DeRozan, donc c'est très 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 bon, parce que du coup, c'est quelqu'un qui agresse le cercle, qui peut shooter à 3 points grâce à cette version, justement, et du coup, pour moi, c'est très très fort, et du coup, il y a des très bons dribbles, en plus, il y a une très bonne animation shoot, donc vraiment, si vous kiffez DeMar DeRozan, et vous aimez bien, justement, quelqu'un qui agresse un peu plus le cercle, mais qui peut quand même dépanner à 3 points, du coup, DeMar DeRozan est très fort, il a des bons badges, du coup, très fort aussi, également. La deuxième carte que je vous propose dans ce pack, c'est une carte que j'aime beaucoup,
Donc une de mes favorites en fait en tant qu'arrière, c'est Allen Iverson, la version Pink Diamond 97, donc de la collection Spotlight André Godala. Donc c'est une très très bonne carte, mais je tenais à vous donner un petit point par rapport à cette carte. Donc cette carte en fait c'est vraiment un outil que vous pouvez utiliser, hein. Vraiment c'est... Quand je dis outil en fait, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas à l'aise avec le dribble et les finitions, on va dire complexes entre guillemets, donc les backs et tout ça, en fait cette carte vous sera pas très très utile entre guillemets. Mais si par contre vous maîtrisez ce genre de choses, donc les step back, les petits dribbles, les petits laybacks, les petites finitions particulières à droite, à col flotteur et tout ça, Allen Iverson est monstrueux, monstrueux, absolument monstrueux. Moi j'utilise tout ça en fait. Et il a du dribble, du shoot, il peut aller pénétrer, il a vraiment des timings de shoot qui sont excellents, des batchs qui vont avec, vous pouvez crosser n'importe qui. Franchement, c'est une très très bonne carte, très sous-estimée en fait. Je vois beaucoup de joueurs qui ne l'utilisent pas en fait, même s'ils ont des bons dribbles et tout ça. Alors que si vous avez un bon dribble, vous avez des bonnes manipulations, vous avez des bonnes finitions, tout ça, c'est vraiment une très très bonne carte. Les finitions, j'adore le shoot aussi, ce timing de shoot. Il peut même aller dunker. Bon, c'est pas un gros gros dunker, mais bon, vous connaissez Allen Iverson, il peut aller dunker. En tout cas, c'est une très très bonne carte. La troisième carte que je vais vous proposer, du coup, c'est aussi une très très bonne carte que j'adore vraiment, c'est mon titulaire. Au niveau de mon équipe en tout cas, c'est Klay Thompson, proposé à 90 000 sur PS4. Franchement, Klay Thompson, c'est le meilleur shoot and dunk que je peux vous proposer, surtout à ce prix-là, et surtout aussi le meilleur catch and shooter aussi que je peux vous proposer. Un timing de tir absolument soyeux, c'est vraiment le meilleur timing de shoot. Enfin, moi en tout cas, que je préfère le timing de shoot aussi, c'est assez personnel. Même s'il y a forcément des timings de shoot qui sont meilleurs que d'autres. En tout cas, celui de Klay Thompson est absolument insane. Il shoot dans toutes les situations. Quand vous lui passez la balle, cache une shoot, peu importe si ça passe le demi-terrain, ça rentre dedans. C'est très très fort. Il est environ à 60% à 3 points, un truc comme ça. Franchement, c'est très très fort. Au niveau des greens, j'en fais tout le temps avec lui. Au niveau défensif aussi, il est très très bon. Il a des bâches défensives. Il peut correctement tenir l'arrière, voir les meneurs et aussi les ailiers. Il est assez grand, il fait 1m96 il me semble. Donc cette version 90 de Klay Thompson est très très bonne. Moi au début j'avais la version 97 de récompense. Donc j'avais eu, enfin directement, Klay Thompson, ça a toujours été très bon dans tout le NBA 2K sur My Team. Ça a toujours été très très, très fort. Moi j'ai trouvé, enfin je trouve toujours très fort. Au niveau de la défense, vu que c'est un sous-handy, hein, 3 points, défense, tout le temps, c'est vraiment... Il peut aller aussi pénétrer au cercle, même si c'est pas du tout sa fonction principale, parce qu'il a une très mauvaise contrôle de balle, et très mauvais contrôle de balle en fait. Et du coup, c'est pas vraiment sa fonction principale. Du coup, si vous pouvez pas... Enfin, faut pas le prendre si vous souhaitez avoir beaucoup de contrôle de balle. Faut vraiment le prendre si vous avez besoin d'un catch and shooter, c'est-à-dire un meneur qui va aller pénétrer. Allez hop, on ressort sur Klay Thompson. Klay Thompson, il shoot. Voilà, c'est sa fonction principale, c'est le catch and shoot pour moi. Enfin, pour moi, de mon point de vue en tout cas. Et aussi de très très bien défendre sur l'adversaire, l'arrière adverse. En tout cas, Klay Thompson, vraiment, ça fait partie de mes cartes préférées. On passe au troisième pack, donc plus de 100 000 MT. Donc la première carte que je vous proposais, je vous l'ai déjà proposé avant, c'est Allen Iverson. C'est juste la version supérieure en fait, donc la Galaxy Opal. Franchement, j'ai vu le prix, 100K à peu près, 110K, ça sort sur PS4, pareil sur PC. C'est très très fort, franchement, pour le prix que ça fait, ça donne. Alors il y a plus de badges que la version précédente. À savoir que moi j'ai utilisé pendant un certain temps la version précédente, après je suis passé à celle-ci parce que je l'ai vu que c'était pas très très cher. Donc en fait c'est surtout, il y a beaucoup de badges qui passent de or à le fame entre les deux en fait. Et au niveau des stats, bah c'est un plus 3 à peu près partout. Il y a quelques stats où c'est un peu plus supérieur, mais les stats sont assez similaires. Voilà, surtout au niveau des badges, où vous avez beaucoup plus de badges. Donc si vous avez les moyens de, si vous voulez, vous êtes intéressé par Allen Iverson et que vous avez plus moyen de mettre plus pour aller jusqu'à cette version, faites-le. Franchement, c'est très très fort. Pareil, vous connaissez mon avis par rapport à Allen Iverson. Donc voilà. La deuxième carte que je vous propose dans ce pack, c'est Dwayne Wayne 98. Donc c'est une version Prime, c'est signature Prime, donc c'est VIP. Donc il vous est proposé à 150 000 sur PS4. Sur PC, il est un peu moins cher, à 90 000. À savoir que Dwayne Wade, très 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 bonne carte, moi j'ai vraiment kiffé, il est en tant que troisième arrière entre guillemets, il a genre 15 minutes de temps de jeu dans mon équipe. En tout cas il est très très fort au niveau de la pénétration pour aller dunker, c'est très fort, mid distance c'est très fort, et étonnamment j'étais très étonné qu'à 3 points il est très bon aussi. Il a un timing qui est assez, c'est un peu bizarre, il est un peu lent, mais il est très très facile de valider en fait le timing, donc faire un green, c'est très très bon. De mon côté il a pratiquement 60% à 3 points, donc c'est très fort. Et en tout cas, moi je trouve que c'est aussi un très 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 bon défenseur. Il a les badges, il a les notes, il peut défendre sur derrière, ailier et meneur sans problème. Les interceptions, les contres, franchement j'ai kiffé Dwayne Wade. Si vous avez les moyens de le prendre aussi également, allez-y, Dwayne Wade c'est très très fort.
Le troisième et dernier arrière que je vais vous proposer dans ce pack, et aussi le dernier dans la totalité, c'est Tracy McGrady. Vous connaissez Tracy McGrady, version 97, 300 000 il vous est proposé sur PS4, donc c'est environ, parce que c'est enchères, du coup vous savez très bien que c'est assez variable. Du coup aussi, par contre sur PC, il est un peu plus de 300 000, donc je sais pas exactement la somme, mais il est plus élevé que chez PS4. Voilà, donc très très fort, surtout en fait, il est grand, en fait, du coup, un arrière qui est assez grand, qui peut aussi aller sur le poste d'ailier assez facilement. Il a du shoot, son timing de shoot est absolument insane, il a de la pénétration, il a tout ce qu'il lui faut en fait, surtout c'est un arrière qui est assez grand pour un arrière. Du coup, si vous aimez bien avoir un grand arrière, Tracy McGrady est très très bon. Il a aussi les badges. Aussi, si vous avez moyen d'avoir la version supérieure, donc c'est la version lunaire, il me semble. Ils ont sorti une collection lunaire. Donc Galaxy Opal aussi, c'est aussi très fort. C'est un des meilleurs arrières qu'il y a sur le jeu actuellement. Même si moi, je préfère avoir d'autres arrières que je vous ai proposé juste avant, Tracy McGrady reste très fort. Donc voilà, c'est tout pour les arrières. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner à ma chaîne. Donc je vais aussi continuer cette série du coup pour les ailiers, les ailiers forts et les pivots. Donc là, les ailiers, j'ai pas mal de choses à vous proposer également. Surtout que c'est aussi un poste que j'affectionne particulièrement, l'ailier. Voilà, on se dit à la prochaine. Portez-vous bien.